Nous, on a à peu près à 1h15 du matin, on a entendu une grosse explosion. On s'est réveillé en sursaut avec ma femme. On a cru un tremblement de terre. Ma femme s'est mise sur Facebook, elle a vu qu'il y avait plein de messages à l'aide. Elle m'a dit vite, vite, Cédric, il faut se rendre au centre-ville, il y a des gens qui appellent à l'aide et tout, il y a une explosion. Donc moi, en short, j'ai mis mon manteau, j'ai couru. Il n'y avait pas encore les secouristes, il n'y avait personne, il n'y avait pas de pompiers, il n'y avait personne. C'était une scène de guerre. On est arrivé sur place avec ma femme. On a vu une personne au sol qui a été éjectée par la déflagration. Et elle était vraiment dans un sale état. On l'a retrouvée à 50 mètres vers la sandwicherie, un peu plus haut au sol, en une position de sécurité. Les personnels, donc sapeurs-pompiers, sont encore engagés sur cette intervention avec une phase un petit peu plus délicate puisque le risque d'effondrement des bâtiments est très important, donc ce qui ne facilite pas du tout l'engagement et les recherches par nos personnels. On a été engagé pour une explosion suivie d'un incendie et à l'arrivée donc des secours, le feu était généralisé du rez-de-chaussée au deuxième étage du bâtiment ainsi que les deux bâtiments mitoyens.